Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, encore une fois! I'm not done yet, or just getting started, yeah. You thought I would let it go. You know how I love to show. You wanna be cool, I know I could show you. You wanna fit in. J'espère que vous allez bien. En vrai de vrai, la journée elle a commencé depuis déjà un petit moment, hein, il est 13h. J'ai rendez-vous pour faire des photos pour une marque qui s'appelle Ambassadrice. Donc je vais vous emmener avec moi, j'espère que ça dérangera personne que je vlogue. Ah mais cette lumière. Oh, ne dites-moi surtout pas que j'ai un truc là dans la bouche. Ok, anyway, on s'en fout. Donc là ça va être super rush. Je voulais juste vous dire coucou. J'ai fini de m'habiller, fini de me préparer. Et on va gentiment sortir d'ici, parce que sinon on va être grave en retard. Je vais juste vous montrer comment je suis habillée, parce que quand même. Pour aujourd'hui j'ai décidé de mettre ma salopette. Vous savez, ma salopette de la vidéo où Ali dit juge mes tenues. Voilà, je l'ai mis avec un col roulé blanc. C'est affreux, j'ai vraiment nulle part où je peux vous montrer mes outfits, quoi. Sans que la lumière elle soit vraiment merdique. Donc voilà, j'ai décidé de mettre cette salopette aujourd'hui. Que j'aime beaucoup en fait, elle est super cool. J'ai mis avec ce col roulé parce qu'il fait froid et j'ai pas d'autre choix. Et puis bah franchement, genre, ça va, j'aime bien le rendu. Non mais vraiment, regardez la lumière s'il vous plaît. Vous voyez là, on est dans ma cuisine, tout est bleu, tout est gris, tout est pas. Je suis vraiment désolée, quoi. Ah. Bon, ok. Je tenais aussi à préciser que j'ai fait mon maquillage toute seule. See, I don't know you at all, but I'm about it. If you about it, don't give a fuck if you're involved. Cause I'm about it. If you about it, yeah. Don't act like you are doing a favor. C'est là. D'essayer de faire un... On va essayer de la faire parler un peu de la boutique. Si madame veut bien. Pour la star, champagne. Comme je vous l'avais dit, je vais faire 2-3 photos dans cette boutique qui s'appelle Ambassadrice. Voici la patronne qui est juste là. Ciao. Vous allez voir celle que je vais essayer tout. Donc si ça vous plaît, je vous mettrai le lien, l'adresse en description là en bas, en barre d'infos. Donc voilà, voilà. D'autres choses à rajouter sur la boutique? Non, là elle va essayer, va de porter des robes. Je suis brésilienne, mon français il est pas bon. Je crois que ça s'entend que tu es brésilienne. Ouais, donc Ruby pour moi c'est une fille que ça porte tout ce qu'elle porte, elle porte super bien. C'est pour ça que je l'ai invitée. Je trouve que c'est une fille que tout le monde aime et donc je veux qu'elle participe avec moi. Et c'est ça. Super gentil, et c'est un honneur. Du coup, je vous retrouve juste après les filles. Je me déshabille, je me mets à l'aise, et puis voilà. Tu veux, il y a du saumon. Je pense que c'est saumon. Il y a même du saumon. Moi, je suis censée être en régime, donc je vais éviter de succomber à la tentation. Je vais juste reprendre un deuxième macaron. C'est pas mon deuxième du tout. T'as jamais pensé à télé-réalité? Non, parce qu'il y a aussi ton copain, ton mari en fait. Alors, je pense pas que ça dérangerait Walid, mais... Enfin, si. Mais si j'avais envie de faire de la télé-réalité, je pense que Walid, il me dirait pas, vas-y, si t'as envie de faire, tu fais. C'est juste que c'est pas du tout mon délire. Ouais. C'est pas vrai, tu vois ce que je veux dire, ouais. C'est de la mise en scène. C'est bien comme tremplin, c'est bien parce que quand tu fais de la télé-réalité, après t'as plein de portes, d'opportunités qui s'ouvrent à toi. Mais j'aime pas l'image que tu donnes aux gens. Tu vois, les gens de la télé-réalité, ils sont grave plus comme des gens de... Pas des gens sérieux. Ouais, les mecs, ils sont bêtes. Moi, j'ai pas envie de... De prendre cette image. Ouais, j'ai pas envie d'avoir cette image-là. J'ai pas envie que les gens, ils me prennent pas au sérieux et tout. Donc, non. Ouais. Par contre, j'aimerais trop faire The Voice. C'est pas seulement salut tout le monde, mais ouais. Le grave bon, je commence à le dire, tu vois. Et je lui que t'as parlé comme ça. Ça parlait comme moi. Et j'ai dit, je sais pas ce que j'ai dit à mon copain. Ah, grave, bon. Ça, ça, je veux que tu portes. Oh. Parce que c'est beau. Après, moi aussi, je veux du sel rouge et du noir. Mm-hmm. Comme ça, j'ai du noir aussi. Après, je veux. C'est trop beau, ça a l'air trop jeune. Ça fait... Moi, ça fait longtemps que j'ai pas porté de...
dans le tête. Comme ça. Puis comme ça, je voulais moi faire, tu vois, genre comme ça un peu. Je voulais des choses plus jolies sur toi. Ouais. Parce que moi, ça, je peux faire un truc simple et tout, tu vois. Mais c'est joli aussi, mais ouais, ouais. C'est vrai que ça, ça me ressemble moins, je trouve. Ouais, donc comme, ces trucs comme ça, c'est là. J'aurais, ça, c'est trop joli, mais je sais pas si j'oserais porter ça. Celle-ci, là. Et c'est là. Et l'autre, je voulais plutôt moins porter parce que... Tu portes les robes de fissage et moi... Je veux plus quand tu pètes, tu vois, genre pour que les gens voient plus... Ouais, on me paye pour montrer mes formes. Tout le monde fait du 38, de toute façon. Ah, parce que non, il y a des filles qui portent 35 et là, j'ai plus. Il y a des gens qui font du 35, quoi. Ouais. Et bah, dans le cas, on va porter les chaussures aussi. En gros. Après, tu sais, moi, je voulais quand on traverse la rue là, et on fait un peu là, tu vois. Dehors? Ouais, comme ça, ça fait certaines choses. Bon, pas les trucs très brillants, tu vois, mais certains... Avec manche, bien sûr. En plus, t'as de la chance, il y a un peu de soleil là. Ouais. Comme ça, on fait un peu. Donc, je vais préparer ce que toi tu vas porter. J'ai fait exprès de rien manger aujourd'hui pour que je puisse rentrer mon ventre au maximum. Et après, j'ai des body, tu vois. Aussi. Yeah. Pas mal de body. Le photographe est arrivé. C'est tout moi, c'est parti. Ouais, les gars, je sais pas ce qui se passe avec la lumière aujourd'hui, c'est mortel. Il y a de la lumière nulle part. Là, on attend encore des gens. Non, c'est que Alexandre. C'est nous, c'est bon. Ok, let's go. Your reflection in my wine glass. It's when I look away. Can't stand and think about losing your fine ass. How the fuck I let you slip away? Life for the party, but I'm dead inside. Kill my vibes, it was genocide. Hard to act like I've been alive. Je vous ai un peu oublié du coup parce que j'étais en train de, on était en train de choisir un peu qu'est-ce que je mets et tout ça et tout ça. Ouais, je crois que je vais mettre les baskets, t'as raison. Parce que là j'ai ça. Et on va aller shooter dehors dans ce magnifique temps. Mais bon, il paraît que c'est très vogue. Oh, j'ai pas l'air muito frio. Je suis brésilienne. Ela tá falando português. Sim. Oi, todo mundo. Eu falo português contigo. Contigo? Sim. Vamos aqui. Porque minha amiga é brasileira. Sim. Purée, j'ai l'air d'une tarée. Regarde-moi. Bah ouais, mais toi, t'as ta grosse veste. Moi, j'ai l'air d'une tarée. Les gens, ils me regardent. Genre, elle a cru que c'était Beyoncé. Ça va, il fait pas si froid que ça en fait. Je pensais qu'il allait faire super froid. J'étais en train de dire qu'ils avaient vraiment pas de pitié de me faire faire ça comme ça dans ce froid. Mais finalement, ça va, hein, franchement. Donc là, on va enfiler la deuxième robe, deuxième tenue. Ça a été, t'as essayé de me tuer, je vais porter plainte. Vous venez d'assister à une tentative de meurtre. Faire un shooting comme ça sur la route, ils ont essayé de me tuer, mais ils ont pas réussi. Donc je suis encore vivante, désolée. Franchement, ce shooting, c'est le plus gros challenge de toute ma vie. On me fait faire des photos. On me fait faire des photos sur la route, sur les rails du tram, sur le pont. Je suis en robe en train de shooter. À cause d'elle. Voilà, de très jolies robes, mais c'est quand même à cause de toi. Bon bah, fin du shooting. Merci beaucoup d'avoir invité. C'est à ton tour d'aller souffrir dehors. Bien fait. Et bah, du coup, c'était un honneur. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, ils sont mes sacs. Voilà, regardez mes petits sacs. Je repars avec des sacs. Je suis trop contente. Et puis, je la laisse travailler. Bisous. Merci beaucoup. Merci à toi. Toi aussi, je te fais un bisou. C'était. Je vais me remercier après. Moi, ouais, grave. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bah, courage, hein. Courage, les gars. Ouais, je t'envoie des choses si tu choisis. Hein.
C'est trop chou, merci beaucoup hein. Salut tout le monde, du coup je vous ai récupéré parce que j'ai décidé de charger ma caméra en rentrant de la maison. Et en fait ça me gênait de vous avoir quitté comme ça après le shooting. Je m'étais dit quand je rentre, parce qu'en fait je suis allée voir ma maman avant, j'ai passé du temps avec ma maman. Et après je me suis dit bon, quand je rentre je charge ma caméra et il faut au moins que je vous dise au revoir convenablement. Donc du coup j'ai chargé ma caméra, je suis en pyjama. Par contre j'ai toujours pas lavé mon visage. Du coup oui, je disais que je m'étais pas démaquillée parce que en rentrant je devais faire encore 2-3 photos de mon maquillage que j'ai pas fait. Pourquoi? Parce que ben, quand tu rentres à la maison, et ben tu reviens dans la vraie vie. C'est-à-dire que j'avais une machine à sortir, donc je dois étendre le linge. Je devais éventuellement faire à manger. Et aussi je voulais faire un live sur Instagram. Voilà. Parce que Walid il rentre pas tout de suite. Il est au travail. Et vous savez que j'aime bien m'occuper quand mon chéri est au travail. Bon, du coup, je vais juste étendre mon linge. Je vais le faire ici parce que c'est mieux. Préparation de la chicha. J'ai grave une barrette. Je suis pas du tout fière. Mais bon. Faut que je vous explique ce que je fais. Mais est-ce que tu savais un truc? Quoi? Oui, on sait tous que la chicha c'est pas bon pour le... D'ailleurs ne fumez pas de chicha, je ne vous incite pas à fumer la chicha, ok? Ne le faites pas. Du coup t'as passé une bonne journée? Franchement ouais, j'ai fait une méga sieste cet après-midi. Ouais. Et alors, pendant deux ans. Ces gens qui font des siestes en plein après-midi. Donc j'ai fumé au soleil. Et je me suis endormie dans le lit. I can't with you. J'arriverai vraiment jamais à faire de sieste. Quoi? Je ne vois pas du tout faire de sieste. Je peux pas faire de sieste en plein après-midi, je peux pas parce que je me réveille, ça me fout le seum. J'ai l'impression que j'ai perdu ma journée. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire que je peux pas faire une sieste. C'est trop ridicule pour moi. Je ne peux pas. Tu dois mettre très peu, c'est quoi? Alors ma meuf elle me dit c'est nocif, par contre j'avais grave à prendre ça. Bah non, mais juste histoire de savoir, tu sais. Je suis avec un rebelle aussi. Alors la chicha c'est grave nocif, par contre tu vas grave en faire à ton mec. Ma petite chicha. Viens, tire. Franchement, ok, je vous apporte, je suis une beurette. Voilà. Je suis avec un arabe et j'aime les chichas. Je suis grave une beurette. Bref, du coup, je crois qu'on va vous laisser. Chicha est prête. Bah, il nous manque juste du thé en fait. T'aurais voulu du thé? Bon, on va prendre un peu du temps pour discuter ensemble. Peut-être que je vais récupérer après quand elle partira, parce que c'est pas tous les jours qu'elle me fait l'honneur de passer un petit moment avec moi. Puis elle va partir d'ici 5 minutes. T'arrêtes! Et la dernière fois que tu es venue chez moi, c'était quand? C'était l'année passée. Du coup, je vous laisse là et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ah, oh. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Et du coup, restez bien connectés. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. Et mets un like si t'as liké. Voilà ce que tu vas faire ce soir, tu vas me faire des massages. Ah oui, avec plaisir. Ouais, wow. J'ai décidé que j'allais me former dans les massages. Ça fait trop du bien, regarde. Est-ce que ça fait super du bien. Mais est-ce que ça, moi j'ai les mains hyper froides donc c'est pas top. Mais est-ce que ça fait maigrir le bras? J'ai l'impression que ça fait un peu maigrir le bras. Non, si pense pas ça. Détends-toi. Là ça fait un peu mal quand même. Ah ouais, ouais. Attends, regarde. Attends, détends ton bras. Non mais fais pas trembler ma graisse comme ça. Ça fait trop du bien, c'est du shiatsu. Enfin j'ai appris ça. C'est du shiatsu. Shiatsu. Non, ça remet un peu l'équilibre en place, tu vois. Ah peut-être ça va replacer un peu ma graisse. Des fois j'ai de la graisse qui fait que mon bras il fait. Non, à part ça c'est vrai. Ça, tu sens que des ça fois j'ai l'impression que mon bras il a des. Faut pas du tout parler en même temps et tout. Ah, okay, tu sens pas que ça te détend? Je peux pas ne pas parler, c'est ça le problème. Mais tu sens pas que ça. Ça me fait du bien. C'est agréable, moi je trouve ça. Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, peu importe. Oh my god, she's so annoying. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bisous.